Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus, Focus spécial Africa CEO Forum qui se tient donc ici à Genève durant deux jours, qui reçoit le gratin du gratin des chefs d'entreprise du continent. Et nous avons, nous, le plaisir et l'honneur de recevoir l'ADG, l'administrateur directeur général d'une grande entreprise minière africaine, puisqu'il s'agit de monsieur Ahmed Khalej Nkand, qui est l'ADG donc de la GKMine, la générale des carrières et des mines en République démocratique du Congo. Monsieur Khalej, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. C'est un plaisir. Alors, je l'ai dit, vous êtes l'administrateur directeur général de la GKMine, GKMine ex-Union Minière, qui est un fleuron, justement, de l'exploitation minière en Afrique centrale, société plus que centenaire. Et puis, sur les 10 dernières années, elle a connu un certain déclin. Et aujourd'hui, vous, avec bien sûr l'aide aussi du PCA, donc du président du conseil d'administration, M. Albert Yuma, vous êtes en train de mettre en place un plan de relance pour essayer de faire de la GKMine de nouveau un grand acteur des mines en Afrique centrale donc, et sur le continent à partir de la RDC. Alors on ne va pas aller dans le détail de tout, malheureusement le temps nous manque. Ce que j'aimerais savoir avant tout, c'est pourquoi vouloir redresser la GKMine, puisque d'aucuns pensent qu'un acteur public, ce n'est plus nécessaire. Au contraire, il faut saucissonner le marché et avoir des petits exploitants. D'abord, juste une précision. Merci pour cette question. La GKMine est devenue une société commerciale depuis 2010 à la faveur de la transformation des entreprises du portefeuille en société commerciale. Donc la GKMine est devenue une SARL. Et de ce point de vue, elle se retrouve au milieu d'autres miniers comme n'importe quelle entreprise en compétition avec elle. Et donc, elle dispose d'énormes atouts. Il est vrai qu'il y a quelque temps une idée a circulé faisant état de ce que la GKMine était morte et qu'il fallait juste qu'elle cède ses participations ou ses actifs à d'autres partenaires, qu'elle reste juste une sorte de holding gérant les participations. Mais en nationaliste, heureusement que les autorités n'ont pas suivi cette façon de voir les choses, et elles ont eu raison parce que la GKMine dispose d'un potentiel énorme. Elle dispose aujourd'hui d'un périmètre minier qui couvre environ 7000 km² de gisements non encore explorés. Elle dispose encore d'un personnel hautement qualifié. Toutes les sociétés minières qui se sont implantées ont eu à recourir aux experts de la GKMine en géologie, en métallurgie. – Parce qu'il y a un savoir-faire, une expérience, une histoire, comme on peut dire, une culture. – Exactement. Et donc la GKMine a vu les autres venir, l'a trouvée sur ses terres et développer une activité minière prospère. Alors elle se dit pourquoi ? Elle dispose déjà d'une longue expérience par rapport aux autres, elle a tous les atouts, elle a tout le potentiel, elle se dit je vais développer ma propre activité pour reprendre ma place au milieu des grands opérateurs miniers en même temps qu'elle gère un portefeuille des participations. Alors vous avez précisé que la GKMine est désormais une société commerciale, mais pour bien faire la distinction, parce que bon, d'aucuns ne comprennent un petit peu ces nuances, ces subtilités si on peut dire juridiques sur la nature de l'entreprise. Est-ce une société publique ou une société commerciale ou alors une société commerciale détenue par le public ? Écoutez, le capital de la GKMine aujourd'hui est détenu à 100% par l'État. Mais il est possible d'ouvrir désormais ce capital aux acteurs publics, aux investisseurs publics. C'est ça… Public et privé. N'importe. Aux investisseurs autres que l'État. Oui. Donc cela est désormais possible, mais il y a certainement des préalables à remplir avant d'y arriver. – Alors dites-nous, le plan de redressement, c'est un plan en plusieurs axes bien sûr, qui passe d'abord par l'exploration, vous l'avez dit, une surface 7000 km² de surface. Dites-nous d'abord l'exploration, comment ça marche, est-ce que vous avez déjà lancé des projets et quel est, si vous voulez, votre potentiel de minerai certifié, parce que c'est vraiment ça qui en donne une valeur marchande. C'est une bonne question. Voilà, le but justement de l'exploration et de la prospection, c'est de certifier ces réserves. Nous les connaissons potentiellement, nous en connaissons les périmètres, mais il faut aller maintenant dans des sondages pour en déterminer le volume, l'importance, la quantité pour les quantifier, en déterminer la nature et la teneur pour pouvoir développer des projets industriel viable.
Aidez-nous d'abord, parce qu'on n'a pas précisé, bien sûr, parce que ça allait de soi, mais quels sont les minerais précisément que la GKMine exploite? Historiquement, c'était le cuivre, mais il n'y a pas simplement le cuivre. Le cobalt, l'uranium. Principalement le cuivre et le cobalt. Mais il y a le zinc qui vient en troisième position et tous les autres métaux. Alors dites-nous, vous l'avez dit, donc cette certification, elle est en cours. Ça nécessite notamment beaucoup d'argent. Moi, j'ai lu donc dans mes recherches que la GKMine a besoin de 631 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, vous allez trouver ça où? Au total, pour les investissements et l'exploration. Mais écoutez, c'est simple. Ceux qui sont venus se joindre à nous pour faire l'activité minière nous ont trouvés avec ces gisements et se sont associés à nous, ont certifié les réserves et avec ces réserves, ces certifiés se sont présentés sur le marché international et ont levé du financement. Pourquoi ne ferions-nous pas de la même manière? Nous certifions les réserves, ça fait un gage certain pour pouvoir lever du financement. Mais lever du financement, c'est-à-dire qu'une action GKMine sera cotée à la bourse, par exemple, de Toronto, puisque c'est là que sont cotées la plupart des sociétés minières. On pourrait arriver à ça, mais d'abord les réserves elles-mêmes, elles constituent un gage. C'est un actif certain. Une fois que ces réserves sont certifiées selon les normes internationales telles que la norme York, eh bien, c'est un actif qui peut être gagé pour pouvoir servir de garantie et lever du financement. Et en termes de production, quelles sont votre vision? Je sais que vos ambitions sont grandes. La GKMine, hein, dans les années 80, elle produisait près de 467 000 tonnes de cuivre par an. Aujourd'hui, elle est tombée aux alentours de 20-30 000. Et votre objectif est de 100 000 en 2015. Est-ce pas un peu trop ambitieux, ça? Puisque nous avions déjà eu à faire 476 000, vous l'avez indiqué. Oui, mais avec un appareil qui aujourd'hui est devenu vétuste, avec un effectif pléthorique et avec des besoins financiers importants, dans un marché aussi, il faut bien le dire, où l'argent n'est pas si disponible que ça. C'est-à-dire parce qu'il y a une crise quand même dans les pays occidentaux. Et les fonds d'investissement aujourd'hui sont prêts à mettre de l'argent dans les mines? C'est exact, c'est pour ça que la stratégie est très claire. Nous partons de l'exploration, nous certifions nos réserves. Et l'idée, ce serait de raser, vous l'avez dit, l'outil qui a vieilli pour le remplacer par du neuf. Mais nous devons fonctionner entre-temps. C'est ainsi que nous avons un plan à deux axes au niveau des infrastructures, au niveau des usines. C'est qu'il y a un axe qui va vers la réhabilitation de l'existant pour nous permettre de le fiabiliser et continuer à fonctionner. Pendant ce temps, nous nous préparons, nous nous organisons pour investir dans du neuf, pour que nous ayons des meilleurs rendements de récupération et pouvoir augmenter notre capacité de production. Mais en réhabilitant déjà l'existant, nous augmentons la capacité de production. Je vous dis, toute la capacité installée qui avait servi à produire les 400 000 tonnes existe. Donc il faut réhabiliter pour que cette capacité soit remontée un temps soit peu. Et avec un peu d'effort, on remonte la production. Tenez, nos objectifs de cette année étaient de passer de 20 à 35 000 tonnes. Avec les efforts de réhabilitation, nous atteindrons cet objectif. Vous atteindrez les 30 000. Absolument, les 35 000. Excellent, excellent. Alors dites-nous, vous l'avez dit, hein, effectif formé, expérimenté, mais effectif peut-être pléthorique. Vous avez aussi un plan de ressources humaines, hein, renouvellement des ressources humaines. On se rappelle à l'époque, la GKMine, c'était quand même le poumon, je veux dire, toute la région du Katanga. Je veux dire, tout le monde avait quelqu'un dans sa famille qui travaillait à la GKMine, comme on dit. C'était vraiment l'entreprise qui faisait partie du patrimoine national, mais du patrimoine local. Est-ce que la GKMine entend toujours jouer ce rôle de plus grand employeur, non seulement de la province du Katanga, mais peut-être même du pays? Du plus grand, certainement pas, mais un grand employeur. Parce que là déjà, dans le secteur minier, nous sommes le plus grand employeur, déjà. Mais nous voulons opérer de façon cohérente, c'est-à-dire réaliser une adéquation entre notre niveau de production et la taille de l'effectif de personnel. Nous allons arriver à ce juste équilibre. Et nous, comme nous montons en puissance et augmentons notre production, nous savons que nous allons créer énormément d'emplois pour le bien des Congolais. Alors, autre question, vous l'avez dit, on est à la recherche de fonds, on parle de besoin de 630 millions de dollars. Et notamment là, bonne nouvelle, au mois de septembre dernier, vous avez gagné un procès contre ce qu'on appelle les fonds vautours. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce sont ces fonds qui essayent de spéculer sur la dette ancienne, hein, le passif de certains États, et ils essayent de saisir, comme on peut dire, les actifs, les biens de sociétés parfois nationales ou enseignement national. La GKMine a gagné son procès.
Et ça va faire jurisprudence, je veux dire, pour non seulement d'autres sociétés africaines. Expliquez-nous combien vous avez récupéré, combien reste encore à récupérer par rapport à ça. Cette victoire était quelque chose de très très important. Parce que comme vous l'avez indiqué, ça aurait créé un très mauvais précédent si jamais la GECAMINE avait perdu ce procès. Toutes les entreprises, aussi bien congolaises qu'africaines et autres, auraient été dangereusement exposées à ces fonds. Eh ben, les fonds qui étaient en cause, qui étaient saisis jusque-là, atteignaient autour de 100 à 104 millions de dollars. Et presque la totalité a été récupérée par la GECAMINE. Il restait une partie pour des raisons de procédure. Excellent. Alors, dernier volet, important, parce que je pense que ça fait aussi partie de votre stratégie de relance de la GECAMINE, c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Non seulement il y a l'efficacité managériale que vous essayez de mettre en place, mais la bonne gouvernance, c'est-à-dire la transparence dans les contrats miniers. Mm-hmm. On sait, la Banque mondiale, j'interviewais récemment le vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale qui disait qu'ils vont mettre le paquet aussi dessus. On sait qu'au Congo, il y a eu les fameux contrats chinois qui ont été dénoncés par le FMI où on disait que c'était pas très clair. On a parlé de contrats léonins où parfois dans ce système justement de l'exploitation minière, les États africains se font flouer ou alors signent des contrats qui ne sont pas réellement à leur avantage. La GECAMINE, acteur minier, quel est justement votre plan d'action pour que les contrats présent et futur de la GECAMINE, sous votre responsabilité, soit tout à fait transparent. Pour commencer, tous les contrats qui ont été signés jusqu'aujourd'hui se trouvent sur un site, celui du ministère de Mines. Donc ils sont publics. Tout le monde peut y accéder et les lire, en juger la pertinence et la perspicacité. Pour la suite, nous sommes engagés dans la transparence. Pour signer l'initiative IET, je pense. Exactement, c'est à ça que je voulais venir. Nous avons souscrit à cette initiative et nous avons été félicités par les responsables de cette initiative parce que nous avons été l'exemple en termes de communication de tous les chiffres de flux financiers qui ont été générés dans le secteur, les années qui ont été concernées. Tout a été publié à l'ITIE et nous avons été félicités pour cela. Allez, pour terminer, je vais poser une question, une vision, peut-être, je veux dire, un rêve de M. Ahmed Kalej Nkand, jeune, permettez-moi de le dire, manager d'une entreprise minière. Est-ce que vous ne rêvez pas d'une majors africaine dans le domaine minier? On a vu que ArcelorMittal, dans la sidérurgie, l'a fait. Il est d'origine indienne. Les Brésiliens l'ont fait aussi, avec Petrobras, dans le domaine du pétrole. Pourquoi pas un jour une majors africaine dans le domaine minier détenue par des capitaux africains? Nous en avons tous les atouts, aussi bien humains que potentiellement géologiques. Nous en avons tous les atouts et ce n'est pas seulement un rêve, c'est même une conviction, si pas une certitude. Merci beaucoup Ahmed Kalej Nkand. Je rappelle que vous êtes administrateur directeur général de la GECAMINE. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.